Nous avons le privilège encore une fois matin pour nous partager la parole. Avant d'ouvrir Bible ensemble avec moi dans le livre d'Ésaïe, nous allons lire la parole de Dieu au chapitre 61, du verset 1er à 3. Ésaïe 61, verset 1er à 3. On va profiter pour nous saluer tous les amis internautes qui suivent service à en direct de Miramar, de la Floride, nous saluer et nous espérer que vous avez passé une bonne semaine. C'est temps pour nous rentrer dans la parole de Dieu, quand vous y êtes là, caillou, mais espérer que vous mettez tant ça à part pour tenter ça la parole de Dieu enseignée matin. M'appelez pour vous dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de l'orange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Depuis 2 semaines, il y a une réalité qui prend forme en bas de nous. Ce pays qui nous accueille, les États-Unis, vit des moments très particuliers. Partout, des voix s'élèvent pour exiger justice. Justice pour un homme, justice pour une famille, mais aussi justice pour tout un groupe d'hommes et de femmes longtemps maltraités, discriminés, soumis à toute forme d'injustice. Pays A, t'es déjà gagné du mal à faire face à la pandémie, cette maladie du corps physique. Le voici maintenant rattrapé par la peur, la haine, l'injustice, ces maladies de l'âme et du cœur. En plus de deux mal saillots, il y a un troisième mal qui profine tout, c'est la confusion. C'est comme ça, il y a un monde qui profitait pour un livre sur la Bible, la parole de Dieu, pour y avancer propre agenda païen. Situation confusion ça, provoquait en pile réaction, au point que il y a un monde qui profitait eux-mêmes, remettait en question autorité la Bible. Parce que selon eux-mêmes, la Bible soutenait l'injustice. Ils ont profité tout pour critiquer les chrétiens que ils ont considéré donc ils ont un bande mouton qui va jamais camper contre l'injustice. C'est comme ça dans ce maintenant, moi personnellement recevoir un message de 11 amis qui lui-même te recevoir de l'autre ami sous situation ma palo là. Et moi prendre lire un extrait dans message ça pour vous. Les amis ont écrit et m'a cité. Mais ça lui dit, d'ici dimanche, toute la colère des Noirs sera apaisée, car Dieu combattra pour vous et vous gagnerez le silence. N'est-ce pas les moutons? Les Amen vont pleuvoir, car il existe une justice divine qui n'a jamais donné de résultat depuis l'esclavage. Les amis qui écrivent, continuent de vous le dire, les pasteurs noirs sont là pour ça, des nègres à talent. Des inconditionnels soumis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez à vos ennemis, etc., etc. Choisis camper dans notre land là. Donc, fin de citation. Si nous mettons de côté le caractère moqueur, le caractère méprisant et les contre-vérités, on peut tirer de ce message, de cette note qui a été publiée, une vraie question. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'injustice?
Quel est le rôle de l'Église face à l'injustice? L'Église a-t-elle vocation à se dresser contre l'injustice dans le monde? Si oui, comment? Matin, bien-aimé, mot à remède, nous méditer ensemble. Sous ça, la parole de Dieu enseignez-nous sous la justice et sous attitude, nous, en tant que chrétiens, devant toute forme d'injustice. Et le titre de mon message est « Le chrétien face à l'injustice ». Le chrétien face à l'injustice. Pour commencer, quittez-moi tout, le message de la Bible est d'abord un message de justice. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de part en part, Dieu se révèle comme un Dieu de justice. Je vais citer quelques exemples. Deutéronome 32, verset 4. Nous lisons, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Psaume 99, verset 4. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Matthieu 12, verset 20. Il ne brisera point le roseau. Il ne tiendra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Apocalypse 15, verset 3. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. C'est dans toute Bible-là. De Genèse à Apocalypse, mon Dieu présente tes livres, tant qu'on y a Dieu de justice. Cependant, si on vraiment besoin de comprendre la justice de Dieu, passage nous sommes liant, c'est un bon commencement. Parce que moi, pensez, il présentait une synthèse du plan de justice de Dieu pour l'humanité. C'est donc un passage nous t'arrêtons à méditer. Un passage nous t'arrêtons bien absorber. Il me prend le relire encore. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Le prophète Esaïe parle dans un élan prophétique. Ce n'est pas Esaïe qui a parlé. Dieu utilise les lèvres d'Esaïe pour porter cette parole qui va se réaliser en la personne de Jésus-Christ. Mais sa parole l'en dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés le sillon, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de l'orange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, carrément nous souligner ça, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Naturellement, lorsqu'on lit un passage comme ça, faut qu'on fasse une longue pause. Faut qu'on fasse une longue pause. Ou pas capable d'absorber tout ça qu'il a dedans. C'est seulement avec l'aide de cet esprit de Dieu qu'on a commencé par comprendre, porter par ça et ça. Encore une fois, moi, pensez, c'est tout le plan de justice de Dieu qui est présenté dans quelques versets. Dans le passage, bien aimé, il est question de bonnes nouvelles aux malheureux. Il est question de guérison de cœur brisé. Il est question de libération de captifs. Il est question de délivrance pour des prisonniers. Dans ce passage, il est question aussi d'une année de grâce, mais aussi d'un jour de vengeance. Une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance. Si vous admettez dans le langage, pas aujourd'hui, c'est 365 jours de grâce. 365 jours, côté moun katire pied aux gens ouvlés. Fais ça ouvlé, traite moun gens ouvlés. Mais il y a un jour que bon Dieu relève le jour de vengeance de l'Éternel. Et pourtant, pour comprendre, le jour de vengeance, c'est un jour de vengeance de l'Éternel. La parole de Dieu est claire. Hébreux 10, verset 30. À moi la vengeance, à moi la rétribution. 365 jours de grâce. Ou même que je voulais ignorer mon Dieu, ignorer justice. Mais il y a un jour de vengeance de l'Éternel. Passage continue pour le dire. C'est
un jour de consolation des affligés. Il m'a envoyé pour consoler les affligés, de vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu pour les affligés. Et ça me remet plus bas, le roi Plil, et c'est sur ça que nous allons porter attention à nous. Si l'ayant qui recevoir bonne nouvelle, ça a la parole de Dieu et Léo d'être térébinthe de justice, d'être térébinthe de la justice pour notre Dieu. Question à poser, c'était tout, mais que sa parole, ça voulait dire d'être térébinthe de la justice. Eh bien, térébinthe blanc, c'est un pied-bois qui poussait dans une région qui fait chaud et qui sèche. Nous, nous aimons planter pied-bois ça parce que les gagnants résidus. Ou bien, on dit, yon sève, yon résine. Yon espèce de liquide, yon relè térébenthine. Lè ou coché pied-bois, l'on font y blessé pied-bois. Liquide ça, li coulé. Et moun remè utiliser liquide ça pour yon cicatriser blessure. Pour yon penser plaie. Donc, bien aimé, dans le plan de justice de Dieu, la Bible relè nous, nous-mêmes chrétiens, nés de nouveau, l'Église universelle, des térébenthes. Yon pied bois de chêne, si vous avez mis le créole pour nous comprendre. Yon pied mabou de justice. Yon pied bois, bon Dieu planté, pour penser blessure, pour cicatriser plaie. Quelqu'un de nous, on est qui remet étudier la Bible, nous a dit, mais t'es quoi, c'est Jésus lui-même seulement qui a pensé plaie, qui a guéri blessure. Comment nous-mêmes, la Bible carré les noms. Des térébènes de monde qui a pensé plaie, guéri blessure. C'est vrai. Dans Isaïe 53, verset 5, nous lisons, mais il était blessé pour nos péchés, parlant de Jésus, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, oui, il pensait plaire. Mais lorsqu'on continue à lire la parole de Dieu, on peut rendre compte que dans Matthieu 5, verset 9, le premier discours, le premier sermon de Christ sur la montagne, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bénédiction pour monde qui travaille, pour les hommes vivent bien, Yunaklot. Bénédiction pour monde qui travaille, pour les hommes vivent bien, Yunaklot. Parce que bon Dieu va réveiller, petit-li. L'on fait Yun avec Christ. Leur rentrer dans la nouvelle naissance là, vie ou vine faire une avec Christ, ou même tout, ou vine jouer rôle, térébinthe de la justice, ou même tout, jouer rôle, cicatriser plaie, guérir blessure. Nous pas grand plus le temps, nous pas rentrer en détail dans le passage là, mais en question pratique et concrète, quel monde qu'a posé, comment nous qu'a jouer rôle ça? Comment nous qu'a combattre injustice? Comment nous qu'a combattre discrimination, racisme? Est-ce que chrétien, vous connaissez le jeune là, qui attendait et partout, est-ce que un chrétien, jeune homme qui a demandé tête libre, capable de participer dans la manifestation contre l'injustice? C'est un peu partout, hein, aux États-Unis actuellement, dans les villes, différentes villes, là à Miami. Est-ce que un chrétien capable de participer dans la manifestation contre l'injustice? Est-ce que le chrétien peut investir la rue pour exiger justice? Et le cas échéant, poser des actions pour faire entendre sa voix. Question 1, c'est une bonne question. Et personnellement, moi, qu'on aime, en pile chrétien qui participait dans la manifestation. On connaît personnellement de chrétiens qui participaient dans la manifestation contre en pile forme injustice. Et me penser vraiment, chaque monde fait choix, son conviction personnelle, les cagayens. C'est pas là qu'on va rentrer. Cependant, ça me permet surtout, tout chrétien qu'on est, le combat pour la justice est d'abord et surtout un combat pour gagner le cœur de l'homme pour Christ. Le combat pour la justice est d'abord et surtout un combat pour gagner le cœur de l'homme pour Christ. De même qu'on n'éteint pas un feu en s'attaquant à la fumée qu'il dégage, de même on ne combattra pas l'injustice si on ne s'attaque pas à ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Même si on n'a pas qu'à éteindre du feu, bien aimé, pendant qu'on va attaquer la fumée du feu, ya, c'est même gens ou pas gens qui combattent l'injustice, sont pas considérés ce qui a passé dans le cœur des hommes.
Bien-aimés, les hommes méchants. Je ne vous apprends rien. Les hommes méchants. Dans Jérémie, le chapitre 17, verset 9, la parole de Dieu nous dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Marc 7, verset 21, 23, « En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises et elles sortent du dedans et rendent l'homme impur, l'homme méchant. Pour un être humain, étrangler un être humain à mort, froidement, sans émotion, pour être humain, qu'aimer en l'autre, les littéralement retirer souffle là dans le lit. Les hommes méchants, il s'appelait George Floyd, j'ai pas peur de citer son nom. Il était créé à l'image de Dieu. Pendant 8 minutes, 46 secondes, il a supplié pour sa vie. Je ne peux pas respirer. I cannot breathe. Il a imploré ses bourreaux, ceux-là même qui sont censés le protéger. Il les a implorés d'épargner sa vie sans merci, sans froid, ni loi. Ils ont ôté cette vie. Ils ont littéralement coupé son souffle. Maintenant, oui, l'organe imageur ou bien tendance. Rêter seulement à geste extérieur, ça. Mais vraie question, moi-même, avec vous de poser, bien-aimé, c'est qui ça qui a passé dans le cœur monde pour poser action, ça? Si nous t'es fait arrêt sur image, pour nous faire autopsie, cœur, ça, au moment que nous avons posé action, c'est là qu'on comprend à qui qualité problème nous fait face. Le cœur de l'homme est obscurci. Lorsqu'on aura tout dit, lorsqu'on aura tout fait, ce problème, le problème du cœur de l'homme restera en entier. La seule cause, bien aimé, la seule cause qui s'attaque frontalement à la racine du problème, c'est la cause de l'évangile. La seule cause qui s'attaque au problème du cœur de l'homme, c'est la cause de l'évangile. Ou pas qu'à combattre le mal par le mal. Quand plus le monde qui essayait, ils ont échoué. T'as bon exemple, la peine de mort. Au cas de tuer, monde qui tue, hein? On peut tuer le tueur. Ça peut apporter un sentiment de satisfaction temporaire. Oui, la justice expéditive peut apaiser la soif de vengeance pour un temps. Mais le mal restera entier. Le mal, bien aimé, ce n'est pas en substance. Le mal, c'est l'absence de bien. Tant que nous pas évertuer nous pour nous faire le mal ne disparaîtra jamais. Et bon, nous, en réalité, seul monde qui t'a conduit nous à bien ça, le bien suprême dont on parle, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la seule planche de salut pour l'homme. Nous vivons dans un monde de blessures, un monde de grandes plaies, et nous sommes nous-mêmes exposés. Injustice, c'est plaie. Injustice, c'est plaie. Discrimination, c'est plaie. Racisme, c'est plaie. Question pour moi-même avec vous, Mathéon. Comment pour nous cicatriser plaie, ça y est? Comment pour nous faire face à blessure, ça y est? T'as vraiment médité la parole de Dieu. Je n'ai plus de réponse. Mais il y a 5 bagailles peut-être très pratiques qu'on a commencé par faire. Pour commencer par cicatriser Playo. Premier bagaille, ne méprisez pas le sentiment des gens. Pas mépriser le sentiment moule. Il y a de plaies, il y a de monde qui est victime, il y a de monde qui est blessé. Pas mépriser le sentiment yo.
pas juger yo par rapport à réaction yo gagnent. L'homme on blessé ou pas marcher dans soulier ou pas comme ça le vivre. Au lieu nous quick pour nous juger. Essayez mettre nous dans position nous non. Pas mépriser sentiment moun yo. Manifestation yo yo contre de tournure violent. Nous même nous pas croire dans violence. Nous pas croire dans ça. Cependant, nous pas qu'à mépriser moun yo, rejeter revendication yo parce que yo posé de acte de cassure, yo posé de acte de violence. Premier élément moi penser, c'est pas mépriser sentiment moun non. Le moun dou li sentil blessé, li victime. Premier baga ou ka fè c'est reconnaître que li blessé vrai. Sou gon java ou couvril à un pantalon, à un rad quelconque. Pas j'en guéri. Faut reconnaître blessure là. Ne méprisez pas le sentiment des gens. Deuxième bagaille pratique ou café, souvelez, jouez rôle, terrain, justice là. Pas longer doit tout soin justice. Comme si c'est problème l'autre monde l'itéye, il n'y a pas problème pas. Eux, ils sont racistes. Eux, ils ont des préjugés. Posez question pour vous-même tout. Est-ce qu'on ne peut pas traiter un monde moins bien qu'on t'a dû traiter? On a une injustice qui prend plusieurs formes, bien aimé. Je m'a parlé parce que je connais des gens qui sont live là. Je m'a parlé à plusieurs publics. Qu'on a une injustice qui prend plusieurs formes. Servante ou bien ça nous relève dans la haute société en Haïti, bonne, qui la caïwa. Ou qu'a traité le pimal parce que c'est bête. C'est de l'injustice. Blanc ça qui est dans l'hôpital là. Yo bay plus attention passer noir ça alors que situation noire l'hypi critique c'est de l'injustice. Si c'est ta mise là, tu restes avec là qui pas qui doit dormir même valeur l'heure à ti moun pour yo. C'est de l'injustice. Malheureux qui travaille dans factory qui pas même bon salaire pour acheter manger pour le manger qui a pour autant il mourir poitriné. C'est de l'injustice. Liste longue. Il est facile pour nous longer loin. Mais l'injustice en lit tout de côté. Le problème de l'injustice n'est pas le problème des autres. L'injustice est partout dans ce monde. Comme en nos cafés, ouais. Petit paille qui n'en j'ai l'autre langue. Ça n'a pas un gros bout de bois qui n'en j'ai pas nous. Donc, on l'autre élément qui est important pour nous tirer même de la justice. Faut que nous disions, non Seigneur, est-ce que moi-même, moi traiter frère, monde qui va côté moi, tant qu'on vraiment d'être terrible, on pied ma peau, justice pour vous. Troisième élément pratique, n'ayez pas peur de dire non à l'injustice. Ou pas besoin de peur, dire injustice, c'est injustice. Camper contre injustice. Ou pas qu'à penser blessure, sous ignorer blessure là. En pire occasion qu'à joindre. On dit non, ça pas de faire comme ça. Et puis prends mes monde qui blessé un, aller avec me soutenir. Quatrième bagarre au café, ne jamais, et m'insister sur ça, ne jamais sous-estimer la puissance de l'évangile. C'est seul l'évangile qui a touché le cœur de l'homme. Problème dans son problème que lié. Ou qu'a battu pour voyer la fumée en un bon l'autre monde, ou pas tuer du feu, hein. Ou seulement retirer la fumée en ou voyer le l'autre bord. Pour vous attaquer au problème du feu, de l'injustice, il faut vous attaquer au cœur de l'homme. C'est la cause de l'évangile. C'est la première cause que nous-mêmes nous gagnons pour nous avancer contre l'injustice. Ne jamais sous-estimer la puissance de l'évangile. Et dernier bagage, a perdu l'espoir. Parce que notre Seigneur Jésus, il a vécu. Le mal a été vécu. Dieu à travers Jésus-Christ à la croix, a triomphé du mal. L'injustice, pas gagné dernier mot. Alléluia. C'est espérance, pas. L'injustice, pas gagné dernier mot. Le Seigneur, il a vécu l'injustice à la croix. Comment il te fait? Il n'est pas de rendre mal pour mal. Il te rend le bien pour le mal. C'est la rançon suprême. Si moi-même avec aujourd'hui, on a campé debout dans la paix avec Dieu, dans la paix avec nos semblables, c'est parce que à la croix,
Jésus déposer acte ultime pour combattre l'injustice. L'injustice, pas bien le dernier mot. Mais pas oublier, pendant la vie, la parole de Dieu est l'une des térébènes de la justice. Yon pied ma pour justice, pour mon Dieu, pour nous camper contre toute forme d'injustice. À nous prier, bien-aimés. Seigneur, vous rappelez-nous maintenant que nous sommes pieds bois justice. Le monde qu'on aime, leur monde en relation avec vous, ils représentaient cœur, et cœur sont cœur de justice. Pour ça, qui brisés, pour ça, qui prisonniers, pour ça, qui captifs, ou déclarer en temps de délivrance, ou déclarer en année de grâce. Seigneur, ouvrez les noms pour nous marcher comme poteau, mis en justice, tout côté nous y est dans l'entourage nous. Aidez-nous comprendre, Seigneur, de nous appliquer. Aidez-nous comprendre, Seigneur Dieu, pour même gens ou pencher sous Sayo, ou pencher vers cœur Sayo qui meurtrit, cœur Sayo qui blessé, cœur Sayo, Seigneur Dieu, qui vraiment prisonnier. Aidez-nous comprendre, Seigneur Dieu, c'est à travers la cause de l'évangile, nous qu'a amené cœur Sayo à libérer. Et donne-nous des témoins fidèles, d'être des témoins fidèles pour toi, Seigneur. Oui, nous connaissons, bataille pour justice en l'établit déjà, et on gagne victoire ça déjà. Et fait que Seigneur Dieu, à travers nous-mêmes, de l'autre monde, nous rentrer. Non, Seigneur Dieu, justice ou moi. Merci pour ta parole ce matin. Nous voulons dire comme le salmiste, je serre ta parole en mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Amen. Amen. Seigneur, pour ta parole. Merci. Thank you, Lord, for your word. Christian, facing injustice. Yes, strong word, powerful word.